Auye kasteri tena fanya gani? Ah. Auye ulframi tena fanya gani? Ingelikuwa se tunaweza jua kama ile materia ndio inaleta vita. Tunaweza iacha kuichimbula. Well, the boom of coltan happened during the period of war in the Congo, particularly here in South Kivu. By the time the coltan picked up the price on the world market, the business here in the province was vibrant. You could see every citizen somehow benefited from the boom of coltan. Le coltan et la cassiterite et l'or, ce sont des minéraux qui ont été des enjeux et des moteurs de la guerre. Les militaires ont même été motivés par ça. Et ça s'est remarqué sur le terrain. Chaque fois qu'ils arrivaient sur le terrain, ils ne demandaient que l'or. Ils disaient, où est-ce qu'on peut trouver de l'or? On s'est demandé, mais finalement, ces gens, ils viennent pour la guerre ou bien pour chercher les minerais? Les lieux de provenance du coltan, d'abord, étaient bien assiégés par les forces négatives appelées Maïmaï. Alors, c'est tout ce Maïmaï qui s'imposait sur le terrain. Alors, ils s'intéressaient de creusers. C'est eux-mêmes qui géraient les creusers. Qui a profité du système à l'époque des guerres? Enfin, ce sont les dignitaires, les chefs des guerres, les seigneurs des guerres. Ils ont profité beaucoup. Well, I have to say that the issue of mineral resources being at the origin of the conflict that we are having here is a very questionable position. Each party, each group had to use the resources it had in the area that it was controlling. RCD was controlling the eastern part of the country, and in the eastern part, you've got the coltan as the product which was bringing cash. Wewe uko na miaka ngapi? Mie, niko na miaka 16. Na wewe uko na miaka ngapi? 13. Samu na chimbaka vile, unapataka franka? $3 na $10 tu. $3 na $10. Njoo mnapataka kusema. Na wakati ya kukosa. Auende kwa masomo jani? Shakosa mboko. Par rapport au marché du coltan ou même de l'or, il faut se poser la question de savoir à qui a profité le commerce. Là, je dirais carrément que c'est aux multinationales. Ils creusent nus, d'abord, ils ne sont pas protégés. Ils utilisent des torches simples qu'on achète au marché ici, des torches de deux piles. Hein. Ils ne sont pas protégés, les mains sont nues. Et ils utilisent des birins avec des marteaux. Et il y a des éboulements. Il y en a qui meurent là-dedans. Ah, il y a aussi la respiration. Il n'y a pas d'air dedans. Alors, ce sont des conditions inimaginables. Si on s'en tient à ce que coûte un téléphone ou un ordinateur par rapport à ce que gagne quelqu'un qui produit le coltan, on va se rendre compte qu'il y a un très, très grand écart. Tout ce que nous savons ici, c'est que les gens savent ici que tout ce qui s'est passé, c'est sous influence de la communauté internationale. S'ils veulent s'investir dans notre pays, qu'ils ne puissent plus collaborer avec l'étranger, qu'ils viennent officiellement, qu'ils puissent signer des contrats au niveau national. Et comme ça, tous nous aurons à bénéficier, nous allons manger sur la même table.